Salut à l'heure tout le monde, salut à l'heure à la rediffusion. Donc aujourd'hui je fais un live un peu plus particulier, un live donc qui sera de ma chaîne privée. Basiquement, c'est un live pour la chaîne privée normalement. On va tester une ROM hack de Super Mario Galaxy. Donc cette fois-ci, on ne va pas jouer avec la manette basique de la Wii. Alors oui, c'est une ROM hack que j'ai installée sur Wii par la suite, et non, on ne va pas jouer avec cette manette-là, tout simplement car j'ai une nouvelle manette qui est juste là. Je sais, c'est pas les mêmes couleurs. Donc déjà, c'est un under controller et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et donc, on va tout simplement jouer avec ces manettes-là. Et on va jouer donc la ROM hack de Mario Galaxy. Et vous allez comprendre pourquoi une ROM hack sur Mario Galaxy. Donc, chaîne, donc live de chaîne privée. La rediffusion sera sur ma chaîne principale. Je ne sais pas parce que apparemment il y a un bug qui fait que des fois le live se lance sur les deux chaînes en même temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ça. Mais donc il est possible de ce fait. De ce fait, il est possible que l'on se retrouve avec une chaîne. Avec. Le même live sur deux chaînes YouTube. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais des fois ça arrive. Mais là, j'ai pas l'impression que ça le fasse. Tant mieux. Mais vous aurez la rediffusion. De toute façon, sur cette chaîne principale. Le live étant basiquement sur la chaîne privée, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, je me suis trompé de scène. Voilà. Aujourd'hui, alors oui, du coup, j'avais prévu qu'on fasse du Mario Sunshine, mais j'avais un petit peu changé d'avis finalement parce que je ressentais pas l'envie de jouer à Mario Sunshine finalement. Donc on va retirer ça. Ah oui, non, c'est parce que en fait. Alors attendez. Faut que je te supprime, toi. Pour que toi, je te place à ton maximum d'écran. J'essaie de te mettre au maximum. Voilà. Et pour que par la suite. Je puisse ajouter ma facecam par-dessus. Voilà. Je peux peut-être la mettre essayer de d'éviter que ça dépasse de trop. Voilà, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on va jouer. On va aller dans la. Ah oui, là, cette partie vient du jeu originel, hein, parce que voilà. Et donc nous aujourd'hui, on va jouer. C'est le problème. Moi, j'ai mis le truc qui n'est pas du tout. J'ai en fait, j'ai mon truc qui est pas du tout adapté. Donc on va prendre Mario. C'est une ROM un peu particulière de Mario Galaxy parce que en fait c'est vraiment une ROM hack, hein, c'est pas le jeu de base, bien que ce soit français. En fait c'est français parce que je l'ai patch avec le jeu de base, mais en gros c'est une ROM hack qui reprend les codes de triche du jeu.
Mais je sais pas lesquels sont actifs, par contre. Alors, cette année-là, au-dessus, oui, bon, on va pas. On va passer normalement cette scène. Ouais, je vous préviens, on va pas s'amuser à tout lire. Sert à rien. Donc, pour ceux qui sont sur la chaîne, parce qu'ils suivent le live en direct, sachez. Ah oui, donc là. Ok. Alors, d'accord. Donc, pour prévenir, ceux qui sont sur le live en direct, enfin déjà, les deux lives, désolé pour le bruit en fond, c'est le ventilateur, il fait trop chaud. Pour ceux qui sont qui regardent le live en direct, donc la chaîne privée, sachez que je vais parler un petit peu aussi pour ceux qui verront la rediffusion sur la chaîne principale. Et pour ceux de la rediffusion de la chaîne principale, vous étonnez pas si d'un seul coup je commence à parler à des gens que vous connaissez pas, puisque ce sont ceux de la chaîne privée. Voilà. Alors, faut que je m'habitue un peu avec cette manette. Pas vraiment la manette base. What? C'est parti peut-être. C'est bizarre ça. Pourquoi ça me donne plein de hey, dans ce jeu, Mario est très lent. J'ai l'impression. Excusez-moi, j'avais oublié à quel point le jeu était fort. Vous avez peut-être pas du tout entendu ce que je disais. Je disais du coup en fait que Mario est super lent dans ce jeu. J'avais oublié à quel point. Je sais pas trop ce qui est possible de faire dans cette remoc. Salut Tador à ceux qui arrivent. Parce qu'il y a des gens qui arrivent. Alors un truc à savoir aussi. Alors, un truc à savoir aussi du coup, c'est que peut-être que je vais lire beaucoup plus les commentaires parce que déjà c'est une remarque et que donc je sais savoir à peu près quand je veux. Mais surtout parce que alors je ne critique pas ma chaîne. Moi. Juste pour dire que la chaîne privée est peut-être beaucoup plus active sur donc, voilà. Ok.
caché, on peut pas passer les cinématiques. C'est vrai que c'est un peu casse-pied du coup. Effectivement. Là, j'ai la manette qui vibre de ouf. C'est terrible. Ouais, c'est une meilleure manette celle-là, hein, par rapport à l'autre. Je pense que vous voyez la différence un peu. Mais celle-là, elle est meilleure. Ça a beau être une sous-marque et pas une manette officielle, elle est vachement meilleure, je trouve. Et oui, elle est compatible avec la Wii U aussi. Suffisamment. Je la conseille personnellement. Oh my God. Cache-cache. Yes. Bon alors. Bon, ils vont me faire de perdre un temps fou par contre avec cette. Wesh. J'ai un peu de mal par contre à rejouer. J'ai un peu de mal à rejouer parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à Mario Galaxy, faut dire. Ce qui fait que du coup j'ai un peu de mal à rejouer avec selon la gravité du jeu. Surtout qu'en plus c'est une planète qui vraiment se base que sur la gravité. Ce qui fait que c'est peut-être pas l'idéal. Je sais, je pourrais faire des long jumps, mais j'ai peur de mal viser en fait, parce que j'ai des gros problèmes de visée avec les long jumps. Si je me souviens bien, c'est ici. Même les pièces, ils font le bug. C'est marrant ça qui. Ça donne autant de pièces et autant de fragments à chaque fois que j'en récupère un. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Enfin, est-ce que vous savez pourquoi ça fait ça? Ok. Bonjour Harmony. What? Ok. Pourquoi je suis un squelette? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis un squelette? Vous pourriez me répondre. En plus, si je me rappelle bien, le squelette, c'est quand il se fait électrocuter, ça. Pourquoi je suis devenu un squelette? Ouais, je suis censé être mort. Je viens de mourir, c'est ça? Terrible. Ah, c'est marrant, je suis un squelette à moitié rouge. Pourquoi je suis un squelette à moitié rouge?
Salut! Oui, c'est vrai qu'on fait ça. Ouais, c'est toi. S'en fout. On peut m'en aller. Ah bah je suis en normal. Ok. Oui, c'est toi. Pourquoi je suis devenu un squelette, je ne sais pas. Par contre, elle fait quoi de particulier cette remarque? À part me changer en squelette de manière complètement random. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à faire des sauts. C'est quoi, c'est une version hardcore du jeu, ça? Y'en a qui disent que je suis en mode Daredevil dans le jeu. Ouais, y en a qui me disent que je serai en mode Daredevil. Ça veut dire quoi, le mode Daredevil en Mario? Je me rappelle plus ce que c'est, le mode Daredevil. Salut! Ok. Broly! Piroli! Piroli, bien sûr! Oui! Wow! C'est ça que je viens de faire! Transformation! Trop bien! Ça sert à rien! Toi, je connais déjà le truc, il faut avoir. Toi, je sais que c'est le Goomba géant! C'est le Piroli des ceux. Alors vraiment, je comprends pas à quoi sert cette rock hack. Qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait? Il y a un truc de spécial avec cette rock hack, c'est alors que c'est pas. Pourquoi ce serait une rom hack s'il n'y a rien? Bon, à part le fait que je me charge en squelette de manière random pour des raisons totalement inconnues comme maintenant. Parce que je vois vraiment pas pourquoi je suis un squelette là en fait. Apparemment je suis un squelette. Ah! Mais tais-toi! Je connais le jeu quand même! Je veux dire, je veux bien être con, mais il y a des limites! Oh! Non mais oh! Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi je suis un squelette. Waouh! C'est des trucs bizarres le squelette là. J'espère que la console va pas freeze. Parce que des fois, ça arrive qu'elle freeze. Ça peut arriver, ça. Et freeze comme ça peut arriver. Vu que c'est Hydromac, la console supporte pas forcément certaines choses. C'est la programmation du jeu, en fait, qui supporte pas certains trucs. Ce qui fait que, du coup, bah, à tout moment, ça peut freeze. Salut! Pourquoi je suis en squelette, je ne sais pas, mais salut! Ok. Ouais, ça j'avais compris que j'avais une nouvelle quête. Pourquoi à chaque fois que j'ouvre, que je parle à Harmony, je deviens un squelette? C'est flippant un peu. Non? Oh non, tais-toi. Non, s'il te plaît.
Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je m'en fous. Je m'en fous. On s'en fout. Please. Stop. No. Ah, merci. Ouais, on s'en fout. Vous parlez beaucoup quand même. Compliqué. Voilà, c'est bon. Ok, je redeviens normal. Tout bien. Ah, c'est bon, si je redeviens normal. Ok. J'aimerais bien savoir à quoi elle me sert, du coup, cette remarque. Et toi... Alors, par contre... J'aimerais bien que ce truc fonctionne. Mais je sais pas pourquoi il veut pas fonctionner. Non mais je veux dire, je peux pas faire plus Je voulais me mettre comme ça à chaque fois que je veux l'utiliser. Qu'est-ce que tu veux toi? Ouais, j'ai une nouvelle galaxie, c'est trop bien. Planète œuf, mais tais-toi! Ah, mais purée! Ça y est! J'ai réussi! Yes! Bon, j'aimerais bien comprendre du coup ce qu'elle fait, cette... cette robe. Que, à part le fait que je sois un peu plus rouge que la normale, pas l'impression de faire grand chose. Hein. Ouais, le fait aussi que les pièces et les fragments se mettent à l'infini, pour des raisons inconnues, et le fait que je devienne un squelette pour de manière un peu random, genre. Hein. Sérieux. C'est si compliqué que ça. Comment ça, je fais du speedrun? Non, je fais pas du speedrun, c'est juste que c'est des possibilités du jeu. Oh! Et... c'est que c'est compliqué de jouer, hein. Que ça. On va te faire écraser Mario. Je sais même pas ce que je suis capable de faire en jeu. C'est ça le problème. Bon. Ok, et maintenant. Je pense que je peux passer directement par là. Waouh! J'ai cru que j'allais mourir pas mal. Ok. Ok.
Sérieux là? Bon, la remarque, j'ai l'impression que c'est juste le jeu de base avec des trucs, avec le cheat code des pièces et des fragments d'étoiles en fait. Bon, par contre, pourquoi je deviens squelette? Ça, c'est un mystère, mais. J'ai l'impression que c'est pas si bon ça le truc, hein. Un peu nul, hein. Si c'est juste ça le truc, c'est pas ouf, hein. Oh qu'il est difficile! Oh qu'il est difficile! Oh qu'il était difficile ce boss! Oh là là! C'est vrai qu'il avait l'air très compliqué ce boss! Oh là là! Ah mais attends, mais j'ai déjà le maximum des pièces et des fragments? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est un peu bizarre, non? Il va encore. Mais il va encore me parler pendant 1000 ans, l'autre. Je veux pas qu'il me parle pendant 1000 ans. Hein. Oh bah d'accord! Mario! Hey Mario! Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Ah. Je redonne normal, c'est bon. What? Pourquoi par contre j'ai autant de pieds, enfin de fragments l'étoile? J'aimerais comprendre. Ok, je suis redonné normal, c'est cool. Écoute, on va retourner là. Hein. Ouais, j'ai prévu de éventuellement faire le maximum du jeu, oui. Mais je pense pas faire tout en un seul live, par contre. À mon avis, ça va prendre au moins plusieurs lives. Mais ouais, j'ai prévu de tout faire, de faire le jeu en entier, en remac. Ce sera pas un let's play, ce sera juste un remac. On va tenter. Ah, je sais pas si on va vraiment l'essayer au maximum, parce que si c'est pas intéressant, on... Combien toi? Je peux avoir l'explication de pourquoi mes fragments ils descendent pas du tout. C'est quoi, je les ai vraiment à l'infini ou quoi? C'est quand même marrant. Ah
C'est bizarre des fois qu'il me fasse ce truc de déconnexion, reconnexion, mais enfin. Ça lui arrive des fois. Je sais pas pourquoi, il le fait. Sérieux, hein? On a pas marre de faire de moi un squelette de jeu? Sérieux? C'est flippant d'être un squelette dans le jeu. La flotte de Poulpe Boss. Ok. Ah, je suis redevenu normal, trop bien. What? Alors, c'est cool, hein, mais... What? Ok. J'ai pas tout compris. Bon, on est censé pouvoir monter là normalement. Voilà. Je vous avouerai ne pas avoir tout compris là. Okay. Pourquoi j'ai des power-ups qui sont activés tout seul? Et what? Ah mais c'est très bien mais... Ah. Bonjour. What? C'est un peu bizarre ça. Ah je suis revenu Mario de feu. J'appuie sur 1 là pour redevenir Mario de feu, je crois.
Ouais, j'ai appuyé sur 1. Là, il n'y a pas la musique, par contre. Je pense bien l'avoir compris, effectivement. C'est marrant, ça. Ouais. Ça, pour le coup, c'est très bizarre. Poulpe boss, the big boss. Bizarre, ça. Je crois que le jeu il a pas tout compris. Ah, le jeu il fait des trucs bizarres un peu. Oh non! Non! En fait, je sais pas si. Quoi ça? Qu'est-ce que tu nous as fait, Mario? Ah, vous avez jamais vu un squelette avec des oreilles et des cheveux? Vous connaissez pas, hein, la puissance du squelette avec des cheveux et des oreilles? Qu'est-ce que c'était que ça? Envole-toi, Mario Abeille! Eh bien, ok. Ok. Ah, je suis redevenu Mario, the best. Yes. Yippie. Yes. Ah, j'ai rapide. Oh, j'y suis Dark Mario. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Je suis Dark Mario. The best, the best. Attends, est-ce que du coup, je peux voler? Ah. Je peux voler. C'est trop bien. Attends, moi je me pose une question. Parce que, ok, je peux voler. Mais je peux voler à quel point, en fait? Est-ce que je peux voler jusqu'à là-bas? Ou est-ce qu'il faut quand même que je suive une certaine logique du chemin à prendre? Je vais essayer. Ça se trouve, je peux voler jusqu'à là-bas directement, en fait, avec le Dark Mario. Y a pas la musique. Est-ce que ça veut dire que je peux l'avoir à l'infini? Bah écoutez, ça a l'air d'être le cas. Waouh. Ah, mais c'est donc ça la particularité du truc. On peut faire un speedrun avec cette ROM hack. Et donc là, je peux devenir Mario Abeille. Oh! J'ai le vol infini! Alors ça, c'est marrant, ça. J'ai le vol à l'infini. Alors là...
marrant ça. Ah, le retour de Dark Mario. Non, je suis pas Mario, je suis Dark Mario. Tu es là dans Super. C'est Super Dark Mario Galaxy, je vais l'appeler comme ça, hein, c'est bon. C'est définitif. Hein. Super Dark Mario Galaxy. Bon, là, je suis en Mario normal. Mais... Waouh. Oh non, le retour du squelette. Skeleton Mario. Il est terrible. Ah, tu vas me parler pendant 1000 ans. C'est trop bien. J'adore quand tu me parles pendant 1000 ans. Ah, j'ai... Oh, 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 oh. Je suis Dark Mario. Attends. Comment on fait pour changer de power-up? Parce qu'en appuyant sur 1, je peux le perdre. En appuyant sur 1, je peux le regagner. Non, ça. Comment on fait pour changer le power-up? Je sais pas, moi, comment on fait pour changer le power-up. Ah, merde! Il a freeze! Ah! Je reviens. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Je m'attendais à ce qu'il y ait des frises, mais là... Oh my god. Attendez, je vais essayer de la relancer, la remake. Mais oh my god! Oh my god! Je pensais pas que ce truc était possible. Je pensais pas que ce truc arriverait un jour. Oh my god! En fait, je pense que je pense savoir pourquoi ça a freeze. Ça a freeze parce que j'ai voulu lancer un power-up pendant que je passais la porte et je crois que ça a fait freeze le jeu. Parce que je crois que le jeu il aime pas quand on fait ça. Oh my god! Ah bah si j'avais su, je l'aurais pas fait. Hein. Bon allez. Oh my god! Mais il a complètement freeze. Mais il a freeze parce que de ce côté-là aussi, en fait, il est pas bon. Parce que du côté du truc, il est pas bon non plus. Il faut complètement que je le relance, en fait. Oh my god. Ah, il était violent, ce bug, hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu un bug aussi violent. Waouh. La violence de ce bug. Ah, c'était terrible. Ah voilà, on me voit mieux là. Putain, la violence de ce bug était terrible. Waouh. Tu
Putain, je savais pas que c'était possible ça. J'ai encore appris un truc aujourd'hui. Bon, on va relancer le jeu. Hein. Et là, si j'appuie sur 1, ça me met Fire Mario. Oh non, Mario. J'ai perdu Dark Mario pour toujours. Bon, je vais éviter de lancer un power-up en passant des zones, parce que apparemment, c'est mortel. Ça. Ah oui, donc c'est le défi du surf. Nice. De la tour de service. Ouais. Yes. Ah, le retour de Fire Mario. Marrant quand même qu'on puisse devenir un personnage de feu ici. Là, si j'appuie sur un. Oh oui, Dark Mario! Oh, ah, c'est peut-être selon certaines périodes. Alors attends, faut que j'aille où, moi déjà? Faut que j'aille là-haut, je crois. Comment ça, c'est du cheat? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Moi, cheater absolument pas. Enfin, de quoi vous parlez? Je ne cheat absolument jamais. Voyons. Vous seriez fou de penser une chose pareille. Wow. Ah, attends, je me suis posé une question soudainement. Est-ce qu'on peut retourner voir la reine abeille? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-bas? Eh, ça se trouve, il n'y a plus rien à faire, mais... Je me demande, en fait. Parce que pourquoi elle est encore là? Parce que regardez, il y a encore des choses. Hein. On dirait qu'il y a encore des trucs à faire ici. Et on peut en plus se balader. Oh, des fragments d'étoiles impossibles à récupérer. C'est marrant ça. Le premier dialogue, le premier moment. Où tu arrives à aller dans un endroit du jeu où t'es pas censé aller normalement. C'est quand même marrant ça. Bon bah, trêve de plaisanterie, on va retourner là-bas. Avant que je me mette à freeze. Je vais peut-être pas censé aller là. C'est marrant quand même qu'on puisse accéder à des endroits qui sont normalement inaccessibles dans cette période-là en particulier. Je dirais même que c'est très étrange. Eh mais du coup, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire avec Dark Mario. C'est ça qu'il faudrait faire avec Dark Mario, en fait. Il faudrait... En fait, avec Dark Mario, je pense que ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est de visiter, pourquoi pas, tous les endroits de chaque planète pour voir un peu ce que je peux visiter dans des endroits où je suis... à des étoiles où je suis pas censé aller à tel ou tel endroit. Par exemple, Poulpobos. Je sais pas ce qui s'y passe en temps normal chez Poulpobos. C'est pas l'étoile de Poulpobos, du moins.
vais vous poser la question du coup. Il faudra qu'on essaie d'y aller après. Ah, pour l'instant, je vais retourner au royaume des abeilles. Parce que pareil, qu'est-ce qui c'est vrai ça, qu'est-ce qui se passe sur les autres parties des planètes? Quand on fait une étoile en particulier, qu'est-ce qui se passe sur d'autres endroits? C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Là, par exemple, la reine abeille, elle est ici. Elle n'est pas dans sa planète. Et justement... Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour quand même avoir accès? Alors, on a l'air de pouvoir quand même avoir accès en bas. Je me demande si on peut quand même aller là-bas. Et ça a l'air possible. Je sais pas si on est censé pouvoir y aller. Je sais pas si je devrais y aller. Ouais, c'est comme tout à l'heure, mais sauf qu'il n'y a pas l'abeille. Je vois où. Oui, autant de débris que ça. Du coup, moi, c'est là-haut que je devrais aller, en fait. Quand j'y pense. Qu'est-ce que c'est que tous ces débris? On passe à travers. C'est marrant qu'il y ait plein de débris comme ça, ici, quand même. Mais au moins, vous voyez comment le jeu est fait... un petit peu spécial mais sympa à faire pour visiter des endroits comme ça où t'es pas censé aller normalement à l'origine du jeu. Parce que le jeu n'est pas programmé pour que t'ailles là. D'ailleurs, sur cet arbre, tant que j'atterris pas, y a... Ouais, en fait, tant que je peux pas atterrir, il n'y a pas de scarabée boss qui vient ici. C'est quand même marrant ça, non? Oui. En fait, on fait plein de trucs qui sont pas prévus par le jeu. Ce qui est un peu marrant et très étrange à la fois. Parce que du coup, on découvre une nouvelle manière de jouer. Finalement est marrant en soi. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire le jeu en entier comme ça?
Parce que s'ils utilisent toujours Dark Mario en soi, je finis tous les niveaux super rapidement en fait. Il y a des étoiles, je sais que tu peux pas les faire si tu les fais pas normalement. Genre là, par exemple, les deux que je m'apprête à faire, alors celle-là et le surf, je peux me mettre en Dark Mario, mais je peux pas faire le vol jusqu'à la fin, ça marchera pas. Parce que le but, c'est d'être dans le surf, justement. Il y a plein de gens qui me parlent du mode Daredevil, là. Mais j'ai du mal à vous comprendre. Hein. Quand vous parlez de Daredevil, là... En gros, si j'ai bien compris, les gens ils me disent le mode Daredevil, en gros, c'est censé être un mode dans Mario Galaxy, un des défis de Comet qui fait que tu n'as qu'une vie. Et en fait, le mode Daredevil aurait apparemment un glitch ou un code de stress, je sais plus, qui permet de devenir invulnérable peu importe ton truc. Et apparemment, ce serait ça que j'aurais moi. Dans la ROM hack, il y aurait le glitch du Daredevil. Comment on l'active ça? À moins qu'il soit déjà activé justement. Mais comment on le désactive dans ce cas? Parce que c'est pas très intéressant si je peux. À mourir. Ok, je suis en ouais. Non, c'est pas la première fois. J'y arrive en 8 minutes 30 là-bas. Sérieux? Ça va, c'est normal. Toi, les sont pas bien longues. Mais...
empêche qu'on fait du surf en étant au dos d'une raie quand même. Imaginez un peu le truc. Je sais pas si vous faites des figures, mais... Non, non. Yeah, I'm finished! Trop bien! C'est une véritable médaille d'or! C'est un tel point qu'elle ressemble à une étoile! Oh oui, je suis redevenu Mario pour la victoire. C'est pour la victoire, mais super. C'est bien Mario, best. Le véritable Mario. Mario, 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 Mario. On va pouvoir rentrer dans la tête de Bowser. Ouais, ouais, on va rentrer dans sa tête. Je rigole. Je ne pas déconner. L'usine de robots. Le gros truc à trois pattes. C'est pas le mégalopode. Normalement. Je sais plus. Je crois que Bowser Jr. il le dit. Ah, est-ce que je peux devenir Dark Mario? Oui, je peux devenir Dark Mario. Oh, c'est... Ok, c'est le meilleur. Je suis attiré vers quelle planète là? Oh, je suis attiré là directement. Mais c'est génial. En train de me dire que je peux directement aller dans le boss sans même pas qu'il soit actif. Eh les gars, je viens de découvrir un truc là. Je savais même pas que c'était possible. Donc ça, c'est la planète d'où je viens. Ça c'est marrant ça. Oui parce que normalement la... Ouais voilà. Normalement je dois être ici précisément pour que le boss s'active. Non ? Ah non. Ah non, je dois être de l'autre côté de la planète. Oui voilà, je dois être ici pour que ça s'active. Je regrette pas le bon endroit. Mégapode, voilà, mégapode. Le Zorchignon, il a bugué. Yeah.
Non mais rien ne va avec cette ROM Hack de Mario Galaxy, rien ne va. Et que diriez-vous qu'on fasse un live par boss, justement? Et fait que du coup, le live prochain, on ferait l'autre dôme. En fait, on ferait un dôme par live. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça peut être sympa à faire, non? Désolé, je suis un peu crevé. Je veux dire que c'est pas de tout repos, hein, ce que je fais en ce moment. Parce que oui, en ce moment, je suis pas mal occupé. Je prépare beaucoup de choses. Et il y a des possibilités que je vienne m'inscrire à un doublage. Alors non pas un doublage officiel, hein, c'est un doublage de fan. Doublage français sur Kingdom Hearts Dark Road. Je vais peut-être faire ça. Essayer de concourir un petit peu là-dedans. Donc, bah, je vais voir. C'est pas sûr, mais c'est possible. Sachant que par-dessus, il y a le doublage, évidemment, de... Il y a les doublages de Tail, d'Underverse, etc. que je vais faire. Évidemment, ça n'arrêtera pas ça. Hein. Pas s'inquiéter là-dessus. Mais voilà. Bon. Bah, j'aurais quand même mis une bonne heure. Attends, moi je vous pose la question. Peut-on monter sur les gâteaux? Ah, apparemment non. Semblerait qu'il existe ce qu'on appelle mur invisible par chez nous. Oh, une vie! C'est toujours utile d'avoir des vies quelque part. Quant à ce genre de truc, c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est vraiment intéressant d'aller jusqu'au bout en faisant ça, parce que c'est plus du speedrun qu'autre chose. Mais c'est un speedrun qui a vraiment rien de légal, rien de legit. Je pense pas que ce soit une bonne chose à faire en fait. Là, on verra. On verra, mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose à faire dans un live. Mais bah, je pense pas que faire un let's play comme ça en mode ROM hack, ce sera quelque chose à faire. Après, on peut en faire, hein. On peut le faire jusqu'à là. Vous savez quoi? Vous allez me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire le jeu au complet en mode ROM hack comme ça? Sachant que je vous préviens, on jouera également au vrai jeu tard. On fera un let's play du vrai jeu, mais j'aimerais savoir déjà si ce serait intéressant de faire une version ROM hack comme ça. Parce que je vous avoue que je ne sais pas trop. Voilà. Tout simplement. Sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
En tout cas, moi, elle m'aura plu. Enfin, vidéo live, pardon, c'est un live, ce n'est pas une vidéo. Moi, en tout cas, ça m'aura énormément plu. Donc, j'espère que vous, ça vous aura distrait. Vous pouvez lâcher un petit like, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager la vidéo. Et donc, eh bien voilà, on se retrouve très bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine.